Aujourd'hui, nous suivons le cours de la rivière Bias, qui est une rivière du Punjab et également de l'Himachal Pradesh. Cette rivière parcourt 470 km pour se jeter dans une autre rivière et se jeter en fin de compte dans le bassin de l'Indus. La Bias, c'était la rivière Argi-Kubja du Veda et les Grecs l'appelaient Iphase. La Bias marque la frontière la plus orientale des conquêtes d'Alexandre le Grand en 326 avant Jésus-Christ. C'est l'une des rivières qui a posé le plus de difficultés dans son invasion de l'Inde. Et ses troupes ont refusé d'aller beaucoup plus en avant. Et ils ont persisté, même qu'Alexandre s'enferma sous sa tente pendant 3 jours. Alexandre érigea là des hôtels colossaux pour marquer la limite et la gloire de son expédition. Après avoir traversé la très polluée Dehradun, on arrive à Mussoorie. C'est une petite ville qui est située dans l'état de Uttarakhand. C'est ce qu'on appelle une hill station, c'est-à-dire une station de montagne. À part la vue magnifique sur les contreforts de l'Himalaya et les statues de Gandhi, il n'y a pas grand-chose à voir. Sauf que c'est une ville étape pour ceux qui se rendent à Gangotri. Ce sont des pèlerinages de l'Inde du Nord. En 1959, le Dalai Lama a fui le Tibet et est passé à Mussoorie avant de s'établir à Dharamsala. Hardwar, c'est d'ailleurs une ville très proche de Rishikesh. C'est également l'une des 7 villes sacrées de l'hindouisme. Et tous les 12 ans, il y a un festival religieux, le Kumbh Mela, qui regroupe plusieurs millions de pèlerins. D'ailleurs, la rivière qui traverse Haridwar, c'est le Gange, qui à cet endroit-là quitte la chaîne de l'Himalaya. On rappelle à l'occasion que le fidèle qui se baigne dans le Gange à Haridwar voit ses péchés effacés, échappe donc au cycle des renaissances dans le monde des formes. C'est à ces 3 gopurams de couleur rouge qu'on reconnaît l'ashram Bholanath Seva. Et c'est un peu à regret que nous quittons l'Himalaya pour retourner dans les grandes plaines de l'Inde. Je vais vacciner dans le premier parti.